Je m'appelle Erika Lemay, j'ai 28 ans et je suis originaire de la ville de Québec. Je suis artiste de cirque. En trois mots, incroyable talent, stress, vérité, défi. Voici la contorsionniste volante, Erika Lemay. Le direct, le prime, c'est une horreur, c'est le stress total. Puis dès que la musique commence, tout ça n'a plus aucun sens, n'a plus d'importance et puis c'est parti. Never mind, I'll find someone like you. Le moment de performance pour moi, la demi-finale, a été vraiment un moment de rêve et d'émotion aussi. Moi, je serais restée sous la pluie et dans mes nuages pour un bon moment. C'était un très beau moment, il y a de la poésie, vous êtes magnifique. Par votre beauté, vous nous irradiez. Alors, bravo pour ce travail. Erika Lemay, très belle artiste, on est sous le charme d'Erika. Elle sait allier aussi bien la force technique qu'on oublie par cette légèreté. C'est vraiment un très beau moment, une très belle artiste. Erika Waterman, c'est le jury qui tient votre destin entre ses mains. Je sentais durant l'attente du verdict une grande pression sur la scène. Je vais envoyer en finale. 5, 4, 3, 2. Erika. J'étais extrêmement heureuse de que Sophie me donne le coup d'envoi, que je passe en finale. Je suis super heureuse, mais je viens juste de comprendre à l'instant, tout se passe très vite. J'ai beaucoup m'amusé en finale et j'ai plein de surprises encore. J'ai commencé ma carrière professionnelle à 13 ans en tant qu'artiste de cirque. Je crois que ça a été difficile pour ma mère quand j'ai commencé à m'absenter très jeune. Mais mes parents m'ont toujours appuyée, ce qui pour moi, j'en suis encore très reconnaissante. La quantité de travail pour pouvoir garder le niveau acrobatique et artistique, c'est entre 4 à 6 heures d'entraînement par jour, 365 jours par année. Parce que c'est mon propre corps qui est mon outil de travail. Du coup, s'il y a un petit bobo, c'est la panique totale. La scène Incroyable Talent est chargée d'une énergie que personnellement, je ne crois pas que j'ai vécue ailleurs. J'ai bien hâte d'y retourner. Et la performance que j'ai choisi de faire pour ce soir, pour la finale, c'est quelque chose qui, pour moi, me demande tout physiquement, toute ma force, toute ma souplesse. Erika Lemay, c'est une magnifique Québécoise et acrobate qui mérite complètement d'être en finale avec nous. Maintenant, est-ce qu'elle va avoir ce numéro assez populaire pour être la première? Moi, mon but ultime, premier, c'est de toucher, d'émouvoir la plus grande quantité de Français. Pour moi, c'est le premier prix, ça.
Erika, je vais prendre la parole. Wow. Je vais prendre la parole avant que j'oublie toutes les belles choses que vous avez provoquées en moi. Wow. Pour commencer, vous m'avez réconcilié avec le Québec. Franchement, vous n'êtes pas touché par la grâce, vous êtes la grâce. Vous êtes divine, Erika. Non seulement vous êtes une belle artiste, il y a de la poésie, il y a de la grâce, il y a de la technique. Vous faites ça avec une telle aisance, une telle fluidité, ce n'est qu'un plaisir des yeux. Vraiment, vous êtes une très belle étoile. Bravo. Ouch, ouch, ouch. C'est incandescent. Vous êtes sexy. C'est tellement sublime ce que vous faites. Vous touchez au sublime. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous touchez au sublime, Erika. Je suis tellement fier, et c'est rare que je le dis, d'être québécois, de vous voir. Là, vous êtes. Merci beaucoup. C'était exceptionnel. C'est un moment de félicité. C'est un vrai moment de félicité. De grande finesse et de grande intelligence. Et de beauté. Ah oui, magnifique, Erika. Merci beaucoup. Et bonne chance. À tout à l'heure, Erika. Elle brille de mille feux. Allez, après un véritable festival de Cannes, Erika mérite-t-elle la part?